tour 3. Petit check et là on se tire. Split, c'est ça. Split. Oui. Donc là on a 450 bornes. Au moins. Non. Moins. Moins 449. Donc oui, je fais mon niveau pour voir quand même parce que. Voilà. Et c'est parti. Bien droite et elle n'a absolument rien bouffé, donc la voiture est performante et ne bouffe pas d'huile. C'est une connerie, le dur, je vais rajouter de l'huile pour un. Ça c'est bon et on est toujours bon, ça te rassure? Non, en fait, c'est moi qui me rassure. En fait, à chaque fois, je dégueulasse mon petit chiffon. Let's go! Un petit point de vue, mais bon, c'est pas terrible. On n'aura pas mieux, je pense. Un sacré vue quand même. Sur tout ça, il y a du vent. Je pense que vous allez l'entendre dans la caméra. Je pense qu'ils grignotent les routes comme ça. C'est quand les zones sont dangereuses pour l'hiver. Ça approche. Ouais. Donc c'est la côte forcée de l'usine qui est en bas, là, sacrée chute de flotte là. Je sais pas combien il y a, mais... Voilà, l'usine elle est là.
J'ai vu, les Russes, ils apprennent à conduire là-dessus. Bon. Like my neighbor has got the same. Anyway, this is the Volga, the Russian car, and this is the Russian air conditioner. You air conditioner. Yeah. In 4L, in Renault 4, very same. Yeah. And two English gentlemen. Bah alors, là, ce petit musée. Mal, ce petit musée avec le gardien qui nous a tout expliqué, là, c'est parfait. Là. C'était, donc, le musée, c'était le musée de son oncle, en fait, si j'ai bien compris. Ouais. Et il nous a expliqué, on a fait le tour de toutes les bagnoles, puis quand il a vu qu'on savait un peu, on reconnaissait un peu les voitures, on était un peu plus loin, et c'est bien, c'est cool. Il nous raconte un peu l'histoire de toutes les bagnoles. Voilà. Donc, un personnage quand même, hein. Bah, il y avait du fucking. Ah oui, il y a un petit remords avec. Avec les pays de l'Est, bon problème. La mer directe, c'est la mer, il y a un bout d'embouchure. Ouais. Fait bon. Bon, faut pas que le soleil tape trop quand même. Il y a bien de nuages, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Allez, on va faire un tour dans cette ville derrière. Sibérie. Ça a l'air pas mal. À l'air en fait, c'est ça, hein, pour mettre le cul à l'air. Ah ouais, oh, mais regarde, attends, regarde, quoi, qu'est-ce qu'elle en face, encore une. Putain, mais nous emmerde avec ces suivent. Mais putain, depuis qu'on est arrivé dans ce village, on en voit partout. Je sais pas si c'est un signe, Ariane. Un signe, c'est un oiseau blanc sur un lac, mais il n'y a pas de lac là. Mais là, il y en a partout. Hein. Elle est neuve. Ça, celle-là, elle a pas de rouille en bas des ailes. Et là, c'est 4 ans joli vert. Ouais. Et là, j'ai vu un autre truc. J'ai vu une Diane. Enfin, un reste de Diane. Là, vous voyez. C'est vraiment beau. Bon, je suis un peu moins fan des bateaux quand même. Mais là-haut, c'est super beau. Et donc, là en face, comme disait la patronne tout à l'heure, c'est une île. Là, on rentre en ville. Il a vu quelque chose. J'ai vu une 307 là. Et des vieilles Fiat. Des vieilles pétrolettes. Ouais, on va aller au centre-ville. Ouais, on va au centre-ville. Regarde, Fiat Uno. Et une Fiat 600. Deux Fiat 600. Enfin, c'est pas des Fiat ici. Putain, et le tuning, c'est là. C'est un peu ma 205 d'ici, quoi. Tu vas acheter ici, toi. Comment? Tu vas acheter ici. Ah, il y avait une petite maison à acheter. Oh putain, encore une. En bord de mer. Ouais. C'est heureux. Ça bricole les bateaux. Là, c'est beau là. Et je fais pas exprès. Hein. Je fais pas exprès. Hein. Encore une. Je vais les compter comme quand j'étais gosse. Regarde cette petite officine là qui est sur le côté. On la voit pas. Si, on la voit là. Là derrière. Photographe sans frontières. Comment? Photographe sans frontières. T'as vu ce restaurant là? Tout en pierre apparente. Et là, un vestige du temps soviétique, je pense. Non? Certainement. Et là, il y a un bateau là, qui fait un bruit d'enfer. Je sais pas si on va le voir. Pensez un petit peu. Vous entendez là? Il y a les turbines qui marmonnent. Il est là profond, machin.
un séjour avec moi. On peut pas la tenir. Voilà, c'est, il faut aller visiter des villages et il faut bouffer des glaces. Alors moi j'ai arrêté de bouffer des glaces. Et du coup elle voulait acheter tout le magasin de Bourbec qui est derrière. Voilà. 2 euros. Est-ce que dans les abonnés, vos femmes sont comme ça? Parce que moi c'est à chaque fois un village, une glace. Donc, du coup je m'arrête jamais. T'as le droit, via ce petit appendice d'ailleurs, de voir ta femme en train de se laver le cul. Par contre, et bah du coup, tu peux pas la voir chier. C'est, voilà, là, t'as pas le droit, là, c'est interdit. Voilà. Ça, c'est une très belle chambre. Ouais. Ouais. Mmh. C'est pas belle, hein. Ouais. On va venir vivre là, je crois. Ça valait le coup, hein, des années de mariage quand même. Aussi, elle a le droit à sa nuit d'hôtel bien méritée. Qu'est-ce que t'en penses, Wanda? Oui, je pense que elle mérite une belle place. Elle va être avec des Porsche et des bagnoles comme ça, je pense. Même pas. Marguerite. Ça va, tu peux choisir ta place. Ouais. Il est où l'ascenseur en fait? On va se mettre là. Hein. Place de choix, hein. 205 à sa place. Oui, c'est ça aussi. Quand on sait leur rendre hommage à sa voiture, elle nous emmène partout. Dès qu'elle peut dormir au garage, elle dort au garage. Non. J'ai regardé, elle a pas fait de tâche. Parce qu'elle est en confiance. Voilà, donc ce soir, elle dort au garage. Pas que nous qui avons le droit à avoir une belle chambre d'hôtel à 1600 bornes de la maison.